En plus, c'est super précis. Toi, ça te fait pas bouger. Ça te fait pas bouger, pardon, le tissu. Bon, faut la gripper, par contre. Non, il veut pas. Bref, je suis trop contente de mon investissement, là. Trop contente. Et puis, ça m'évite de... Parce que malgré tout, tu sais, tu fais toujours le même mouvement avec le ciseau. Eh ben, les tendinites, ça arrive. Et bonjour! Allez mon chat, pas vous. Les fils. Ma fille adorait mon chat. Non, comment? Enfin, le mois de juillet là. Donc toujours plus. Ça va? Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis avec mademoiselle Romy qui n'est pas très contente. Qu'est-ce qui se passe? Papa est parti au boulot. Et là, ce matin, c'était papa. Hein? Il est au boulot, papa, mon chat. Il rentre ce soir. D'accord? On est toutes les deux? Est-ce qu'on va préparer les carottes avec le bœuf bourguignon? Oui. Bon, sinon, je me suis coiffée. Je pense que la prochaine fois que je lave mes cheveux, je ferai mes boucles. Voilà, pour voir ce que ça donne avec les boucles. Et voilà. Et sinon, j'ai mis mes boucles d'oreilles Zélie. La vente a lieu ce soir à 21h. Alors, là, vous allez voir ce vlog après. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura de nouveau des ventes, etc., etc. Il faut que je partage l'info sur Insta et sur la communauté YouTube. Comme ça, au moins, vous serez au courant pour la vente de ce soir. Comme la première vente, quantité limitée, mais on va refaire des quantités. Enfin, Sabrina refera des quantités en fonction de la demande, de toute façon. Allez, go. Alors, je vais boire mon thé, je l'ai fait réchauffer parce que Doudou me l'a fait couler tout à l'heure, il était un peu froid. Et on va partir pour faire, enfin, on va faire le bœuf bourguignon, ok? À midi, c'est bœuf bourguignon. Avec des carottes? On va couper les carottes? Tu veux? Oui. T'es fatiguée? Ah, il y a ça aussi. Les petits bœufs bourguignons, il va être super bon, franchement. La viande était parfaite et tout. Je vais en mettre un petit peu de côté pour Doudou, pour qu'il ait sa boîte pour mercredi. Comme ça, je mettrai sous vide, ça ira nickel. Mais là, on va se régaler. Aïe, aïe, aïe. Ça y est, j'ai déposé les grandes à l'école. J'ai fait un brin de ménage dans la cuisine, mais je suis un peu nounouille parce que je vais faire le gâteau. Donc... ça n'aura pas servi à grand chose. J'ai rangé un petit peu là sur le frigo, parce qu'il y avait plein de choses qui dépassaient, enfin bref, ça me gonflait. Ça, en soi, ça me pose pas de problème d'avoir des petits paniers et tout. Vous voyez, ça me pose pas de problème, mais j'aime pas quand ça dépasse et qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ai tout rangé, c'est nickel. Tout est nickel et je vais tout resalir parce que je vais faire un petit gâteau. On n'a pas eu le temps de le faire en fait après le repas. Les filles, elles ont voulu lire une histoire, écouter de la musique et tout. Donc j'ai dit c'est pas grave, je ferai toute seule le gâteau. Je vais faire un clafoutis, donc comme je vous ai dit, un clafoutis poire chocolat. C'est la période des poires, il y en a pas mal et elles sont très très bonnes. Donc petit clafoutis poire chocolat, j'allume mon four et on est parti. Regardez-moi ça, il est trop trop bon. Nous sommes actuellement dans le bureau, j'ai allumé alors parce que alors la lumière dehors, surtout là, là dans le... En fait on a un couloir là, donc ça allume rien du tout, mais alors rien du tout. Déjà qu'il fait gris parce qu'il va pleuvoir, mais là je viens de faire pendant le coucher, alors juste avant qu'elle s'endorme profondément, j'ai fait toutes mes découpes, attendez, où c'est que je l'ai posé? Ah il est là. J'ai fait toutes mes découpes de tissu, de coton, de fibres, de bambou. Pour les cotons lavables, je vous explique, donc j'ai des cotons lavables donc qui se présentent comme ceci, donc qui sont unis ou avec des motifs, etc. Et donc de l'autre côté, je viens mettre de la fibre de bambou, voilà, qui est très très douce, que j'utilise pour les fleurs de douche, que j'utilise pour les cotons, que j'utilise également pour les serviettes pour les cheveux, voilà. Bref, je les utilise un petit peu de partout parce que j'adore la matière et je trouve que c'est très très doux pour la peau, pour les cheveux et tout. Bref, et en fait, habituellement, je découpe tout à la paire de ciseaux, c'est à dire que je prends genre quand j'achète mon tissu, j'achète genre 4 mètres, 6 mètres, 8 mètres et après je découpe. Voilà, donc dans la largeur et après je refais mes petits carrés. Voilà, donc ça donne ça.
Là, vous allez me poser la question, oui, est-ce qu'il y a des chutes? Oui, il y a des chutes, mais après, je les réduis au maximum. Et au niveau des chutes, donc ça, par exemple, je les garde pour faire le rembourrage dans les coussins. Et là, pour le tissu de coton, si c'est une grosse chute, je garde pour faire des barrettes ou des trucs comme ça. Et si c'est une petite chute, eh ben, j'essaie de les mettre ensemble pour faire assembler. Ça, il faudrait que je vous montre. Bref, c'était pas ça du tout le sujet. Mais en fait, je n'avais pas encore utilisé mon ciseau électrique. Et donc là, je l'ai utilisé. Donc c'est un Rascol. Il est trop bien. C'est-à-dire que donc vous avez le bouton en dessous là, vous avez une sécurité. Donc ça pour les enfants c'est cool parce qu'ils ne peuvent pas s'en servir. En fait, il faut appuyer ici pour actionner. Et alors ça pour découper la fibre de bambou, tellement bien. Trop bien, je suis allée super vite. Je passais mon truc. Je l'ai fait en, allez, 5-10 minutes, même pas. D'habitude, j'y passe un temps fou. J'en fous de partout. Bon, alors là, je vous avoue, j'en ai foutu de partout. Hein. Il y a de la fibre de bambou de partout dans la cuisine. Je repassais un coup d'aspirateur alors que je venais de le faire. Mais bon, trop bien. Je suis trop contente. Bel investissement. Ça va pas coûter très très cher en plus, une trentaine d'euros à peu près. Mais franchement, je suis trop contente. Parce que alors, et puis en plus, là que ça coupe bien. Attention, attendez, j'ai pas une petite chute là. Attendez. Regardez, là, j'ai... Donc là, j'ai un petit bout de tissu qui est le bas de mon rideau. Regardez ça. Non, mais c'est pas le bonheur, ça. Je kiffe. Franchement, en plus, c'est super précis. Ça te fait pas bouger, le tissu. Bon, faut l'agripper, par contre. Non, il veut pas. Bref, je suis trop contente de mon investissement, là. Trop contente. Et puis, ça m'évite de... Parce que, malgré tout, tu sais, tu fais toujours le même mouvement avec le ciseau. Eh ben, les tendinites, ça arrive. Je vous jure que ça arrive. Enfin, bref. Bon, allez. Je vais vider ma poubelle, là. Ma poubelle est pleine. On est parti. Je vais assembler le coton. Ici, avec la fibre de bambou. Et si je n'ai pas fini, eh bien, je le ferai ce soir. Voilà, donc ça et ça. Je prends ma petite caisse et je vais au boulot avec ça. Et ça sera très bien. Et là, je prends des petites... D'ailleurs, je dois en avoir d'autres. Est-ce qu'on en parle, ça? Le pot était plein. Je vous jure, il était plein. Non, j'abuse. Mais au moins la moitié. J'ai l'impression de les semer de partout. C'est un truc de fou. Bref. Allez, on est parti. Let's go. Et ça y est, le repas de ce soir est prêt, il va partir au four. Donc ce soir, c'est petite tarte au thon. Je vais faire une petite salade verte rapidos. Alors, le positionnement s'est fait exprès, c'est parce que là, les deux qui sont collés, il y a de la moutarde. Voilà, donc c'est pour les différencier, sinon je mets avec la moutarde aux filles et ça leur plaît pas trop. Donc là, il y en a deux avec un fond moutarde et là, deux nature. Je vais faire la salade verte et comme ça, ça sera tout fait. Je vous ai pas montré mon petit clafoutis aux pommes, mais je peux vous dire, aux poires, pardon. Il était très très bon. Alors à certains endroits, le chocolat, vous voyez, il est vraiment tombé tout en dessous, mais il est très bon. Je pense que Doudou va se régaler parce que Doudou, il adore l'association poire chocolat et là il était vraiment vraiment super bon. Voilà pour mon petit clafoutis, j'ai fait dans ce moule là avec le trou au milieu et je trouvais ça plutôt pas mal, voilà, avec les petites pommes disposées comme ça là. Très très bon, je vais m'en prendre un petit bout pour le boulot ce soir. Bon, tout est ok, tout est propre, la cuisine est nickel, j'ai fait la vaisselle, j'ai essuyé la vaisselle, il y a juste un moule en silicone qui est en train de sécher, les tartes au thon sont au four, j'ai juste à couper ma salade, faire mélanger avec la sauce salade et on est bon. Nous avons toutes les lumières qui sont allumées, donc j'ai installé le rideau ici sur cette fenêtre. C'est trop beau et je vais vous montrer les petites maisons. Sinon, nous avons mis la table avec les filles, donc 5 assiettes. Je mange avec les filles ce soir. Donc, voyez les petites maisons, elles sont toutes allumées. J'ai oublié de vous mettre le nom du site. Dil et Camille. Allez, fais la mise au point, fais la mise au point, fais la mise au point. Non, ça veut pas. Ça va vouloir. Donc voilà le nom du site. Vous voyez, j'y suis arrivée. Ça, c'est pour toutes les petites maisons. Les trous, c'est fait exprès. Hein. Elles ne sont pas du tout cassées. Hein.
Voilà, donc Dill and Camille. Ouh, le zoom, zoom, zoom. Non, parce que hier, je vous dis, je vous donne le nom du site et tout, et j'ai complètement zappé. Et voilà. Et je l'ai pas dit à Doudou, et on a zappé. Voilà, donc... Voilà le nom du site où vous pouvez trouver les petites maisons. Dans la barre de recherche, vous mettez photo fort et vous allez trouver. Ou alors vous mettez maison en... Je ne sais pas si c'est de la céramique ou de la porcelaine. Je ne sais pas. Je crois que c'est de la céramique quand même. Bref, donc voilà, vous les retrouverez. Et moi, franchement, j'adore. Ça rend trop, trop bien avec les petites lumières et tout. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, sinon, je vous disais, on a mis la table pour 5. Pourquoi ? Puisque ce soir, je vais manger avec les louloutes et Doudou. On va manger un petit peu plus tôt. Et puis, je partirai au boulot après. Pourquoi ? Puisque, en fait, dès que j'arrive au boulot, donc c'est 20h, je commence à 20h, après j'ai ma relève. Après je dois coucher les enfants qui ne sont pas couchés, donc la plupart du temps ça me prend entre 1h et des fois 1h30, et après j'ai donc tout ce qui est plateau, repas, débarrasser, etc, etc. Et en fait des fois j'arrive à me poser seulement à 9h30-10h quoi. Et c'est vraiment très tard, et en fait j'arrive pas forcément à bien manger. Bref, voilà, donc je me suis dit, en fait, il faut que je mange avec les louloutes, c'est-à-dire que je mange avant de partir, on mange un petit peu avant 7h, et puis ça fait une bonne grosse demi-heure pour manger, et voilà, parce que si on se pose vers 6h45, ça me fait 40 minutes pour manger, donc ça va, c'est faisable. Voilà, il faut juste que le repas il soit fait, et au pire, si c'est pas fait, bah, là, je mangerai au boulot, mais on va essayer de faire en sorte que le repas soit fait, comme ça, je mange avec les louloutes, et elle préfère en plus. Voilà, là les grandes elles sont en train de prendre leur douche, Romy après sa douche avec Doudou, et on a fait les devoirs avec Cali, donc ça c'est une bonne chose de fait. On a récupéré pas mal de commandes de chocolat avec l'association des parents d'élèves, donc ça c'est cool, ça c'est trop trop bien. Donc demain soir on va faire le bordereau pour lancer la commande de chocolat. Et puis voilà. Demain, je suis hospitalisée. Je vous en ai parlé la semaine dernière. J'ai une petite intervention sous anesthésie générale. Rien de grave. Mais voilà, il faut le faire. Donc, demain, Doudou m'amène à l'hôpital et vient me récupérer en fin d'après-midi. Et puis voilà. Je vous avoue que je redoute un petit peu l'anesthésie générale parce qu'à chaque fois... enfin ça dépend, parce que la dernière fois pour l'abdominoplastie et la poitrine j'avais pas réagi comme ça, mais je sais qu'à chacune de mes gastroscopies je pense que l'anesthésie est pas aussi forte qu'une grosse opération, et en fait je réagis très mal, c'est-à-dire que je tremble, c'est très bizarre, voilà. Donc je sais à quoi m'attendre, hein, mais en fait je suis dans un état second, c'est très bizarre, c'est très très bizarre. À chaque fois Doudou il s'inquiète et tout, mais en fait c'est très bizarre, c'est comme si ça me grattait partout dans le corps, enfin c'est chelou, chelou. Donc je sais que demain je vais y avoir le droit ou pas d'ailleurs, hein, on verra bien, mais voilà. Et puis de toute façon demain soir on en parlera plus, ça sera fini et puis basta. Donc voilà, donc petite intervention, rien de très très grave, hein, ne vous inquiétez pas. Donc voilou, je vais aller me préparer, puisque bah, comme d'hab j'ai fait sauter mon fut, hein. Je vais aller m'habiller, comme ça d'ici 10 minutes à quart d'heure on passe à table, et puis voilà. Et il faudrait que je monte le vlog aussi avant de partir quand même. Ça aussi, il faut que je le fasse avant de partir et avant qu'on passe à table. Sinon, c'est la course. J'ai encore traité pas mal de mails ce matin. Il faut que je repasse une passe, mais normalement, j'ai répondu à tout le monde. Voilà, on arrive au bout des soucis mondial relais, à part s'ils m'en renvoient encore. J'aurais perdu du temps, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Aujourd'hui, on a encore eu des petites commandes, donc merci encore beaucoup. Et puis, ah oui, il faut que je fasse le post sur Instagram pour les bouts d'oreilles. La vente des Ellie arrive, revient ce soir à 21h. Ces petites merveilles, je les kiffe, moi. Je les kiffe. Par contre, je les enlève pour aller au boulot. Parce que généralement, je les enlève... dès que je me pose en fait, c'est-à-dire qu'au boulot, dès que j'ai couché les enfants et qu'on se pose, qu'on bouquine et tout, donc je me démaquille, je mets ma crème, etc., je me brosse les dents, nanana, j'enlève mes boucles d'oreilles. Et en fait, la dernière fois, j'ai failli en perdre une, donc j'ai dit non, non, non,
Je les enlève à la maison, surtout les Ellie. Ça serait une boucle d'oreille de Claire's ou un truc comme ça. J'ai pas de boucle d'oreille de Claire's, mais vous voyez, ça me poserait pas de problème d'en perdre une, mais là, ça m'embêterait quand même. Donc, je les laisse à la maison. Je préfère. Enfin, bon, est-ce que je me bougerai pas les miches? Ah oui, et c'est ça aussi. J'ai lavé les housses de chaise. Les filles m'ont mis de la peinture la dernière fois. D'ailleurs, j'ai pas vérifié si la tache était partie. J'espère qu'elle est partie. Une bonne tache bleue. Non, je vous dis des conneries. C'est même pas de la peinture. C'est les crayons, vous savez, Velleda, là. J'ai frotté, hein. Parce que je me suis dit, ça jamais ça part, en fait, sur le tissu. Écoutez, j'ai pas vérifié. On verra. Je vous dirai ça tout à l'heure. Hein? Allez, je vais me faire une petite tronche. Hop, je vais m'habiller. Et je surveille mes tartes au thon. Allez, petit repas de ce soir. Petite salade verte iceberg avec de la vinaigrette à la moutarde et au miel. Et nous avons ici les petits les petites tartes au thon. Elles ont pris un petit coup de doré, mais ça va. Je vais couper celle des filles, comme ça au moins on se trompe pas. Au niveau de la moutarde, voilà, ça c'est pour maman et papa. Et bon appétit. Ça y est, on a mangé, je me prépare. Je me suis dit, je vais me préparer après, comme ça au moins, comme ça, si je me tâche. Bon, j'ai un quart d'heure, franchement, c'est cool. On va le faire plus souvent, et même les filles, elles kiffent en fait, donc on va le faire plus souvent. On est parti pour le petit calendrier de l'Avent à 20 mai, puisque bah, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas ouvert. Alors, 5... J'ai failli faire tomber un truc. Ce qu'on fait, c'est que j'ouvre 5, 6, 7. Voilà, parce que j'en ai pas ouvert depuis 3 jours. Petite bougie. République Dominicaine. Je le connais. Je le connais. Je l'adore, celle-là. Je l'adore. Voilà. Donc ça, c'est le numéro 5. Je suis essoufflée, c'est parce que je viens de monter les escaliers. Hein. Tout va bien. Ensuite, numéro 6, c'est un gros truc. Truc. C'est un diffuseur. Petit diffuseur. Donc vous avez les petits bâtons. Vous avez le diffuseur qui est de la même couleur que les bougies. Et donc vous mettez donc les petits bâtons, tac tac. Et c'est un petit hein, parce que le taille, le full. Le taille vendu, il est beaucoup plus grand que ça. Voilà, mais ça c'est cool. Ça c'est très très cool. Franchement, ça change par rapport à l'année dernière. Alors attention, c'est pas que l'année dernière a été nulle, pas du tout. Hein. Je l'aimais beaucoup moi l'année dernière. Mais c'est vrai que ça change. Au moins, t'as pas que des bougies quoi. T'as d'autres choses. Donc ça c'est cool. C'est cool, c'est cool. J'ai tout fait tomber, j'ai tout cassé. Voilà, donc ça c'est la case numéro 6. On continue et après j'irai mettre mon fut parce que je n'ai toujours pas mon pantalon. Case numéro 7, ici, pareil. Oh, trop bien, trop contente. C'est de la poudre pour faire du savon pour les mains. Je l'avais acheté et j'en avais un de pousse-pousse. Je l'avais acheté avec 3 sachets, je crois. Trop contente. Trop contente parce que ça sent trop bon. Moi j'adore le République Dominicaine. Là, attendez, c'est ça oui, c'est ça. Il existait en savon pour les mains et donc là j'en ai eu un. Trop contente. Donc ça vous mélangez avec de l'eau, hop, environ 185 ml. Faut attendre une minute. Non, faut secouer pendant une minute. Faut attendre 30 secondes. Je vais y arriver. Secouer pendant une minute. Après on attend 30 minutes le temps que ça épaississe, etc. etc. On resecoue et après on peut l'utiliser. Donc ça, je suis trop contente. Et pour terminer, et demain on ouvrira le 9. Hein, comme ça au moins j'ai rattrapé mon retard. 8. C'est une petite bougie. Hop là. Ah, une couleur différente. Club Noé numéro 1. Celle-ci, je l'ai adorée. À Vainmay, ils ont sorti Club Noé. Et c'était des bougies qui étaient beaucoup plus soft au niveau de la couleur, etc. etc. Et le Club Noé numéro 1, j'avais beaucoup apprécié. Ils en ont sorti d'autres hein, depuis. Mais le numéro 1, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc ça, je suis trop contente. Les petites bougies, je les garde ici. Puisque généralement, je les fais brûler dans ma chambre. Ou voilà.
quand je fais un petit peu le ménage, bim, je fais brûler un petit peu une petite bougie, et puis voilà. Donc, voilà, on a ouvert le 8, donc demain, on se retrouve pour le 9. Donc, voilà pour le calendrier de l'avant Avant May. J'ai rattrapé mon loupé de cases. Il est toujours dispo hein, sur le site. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos avec mon code promo, tout ça, tout ça. N'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse. Si vous voulez changer d'habitude du calendrier au chocolat ou autre. Demain matin, je rentre. On part pas tout de suite. Hein. Doudou me dépose pas tout de suite. Donc, je pense que je vais me reposer un petit peu. Parce que je vous avoue que d'être fatiguée, de sortir d'une nuit et d'aller après faire une anesthésie générale, je suis pas sûre que ce soit le bon truc. Voilà, donc je rentre, je me prends ma douche à la Bétadine, je vais me coucher et je me reprendrai une douche à la Bétadine avant de partir. Voilà, comme ça au moins je suis clean. Voilà. Enfin bref, voilà, je suis trop contente de ces petits trucs là. Ça, le savon, les petites bougies, trop contente, trop contente. Enfin, bon allez, je vous abandonne, on se dit à demain. Et puis je vous laisse avec Doudou, il fera le final. Hey hey, coucou, c'est moi qui prends le relais. Donc les petites sont couchées, bébé est parti au boulot. Moi je suis en train de terminer le vlog. J'étais en présentiel aujourd'hui au boulot, demain je suis en télétravail. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de beau, que je vais m'occuper des enveloppes, des ventes de chocolat. Il y a eu pas mal de petites enveloppes donc je vais m'en occuper. Je vais trier tout ça, je vais noter ça sur le Google Sheet centralisé. Hier, j'ai fait un truc assez sympa, j'ai repris tous les partenaires avec qui les anciens du bureau avaient travaillé. Et du coup, il y a plus de 150 partenaires avec qui on va pouvoir échanger pour avoir des lots pour la kermesse de l'année prochaine. Il faut que je refasse un petit état des lieux, il faut que je reprenne tous les numéros de téléphone, toutes les adresses, tous les trucs et tout, que je reprenne tout. Essayer de voir s'il n'y a pas moyen de faire une récupération automatique. Il y a un module map, c'est peut-être une possibilité. Tiens, tiens. En parlant, ça peut être sympa si je pourrais avoir les trucs en automatique. Bref, les données en automatique. Du coup, qu'est-ce que je disais de beau? Oui, je vais m'occuper de ça. Je viens de commander à l'instant un nouveau chéquier pour l'APE. Parce que du coup, les anciens chéquiers étaient à l'adresse de la précédente présidente. Donc, c'est pas très cool. Voilà, et puis sinon je vais continuer à creuser dans les missions que je cherche pour le freelancing, donc par rapport à mon statut de freelance. Donc là je suis en train de continuer à compléter mes profils sur Malt, sur Optamis je crois, des choses comme ça. Donc voilà, je cherche des missions à gérer en plus de mon travail du temps plein du quotidien. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous souhaitez parler de vos activités de freelance, si vous êtes freelance ou micro-entrepreneur. Et puis si jamais ça vous dit de discuter avec moi ben, sur vos activités d'autre entrepreneuriat, je vais vous mettre à mon avis là-haut mon compte Insta pour que vous puissiez m'envoyer un petit message. Si ça vous dit bien sûr. Voilà, sinon bah, rien de spécial. Je vais clôturer le vlog et puis je vous dis du coup bah, bonne journée à vous, à très très vite dans un prochain vlog et puis sûrement demain et puis à très très vite. Allez, ciao, bonne journée.